Les parents des victimes du crash de la Germanwings se sont rassemblés mercredi à la veille de l'anniversaire de la tragédie qui avait fait 150 victimes. Une plaque commémorative a ainsi été dévoilée à Barcelone en présence du Premier ministre espagnol Mariano Rajoy. Un an après, la présidente de l'association des victimes souhaite que des mesures soient prises. Nous voulons empêcher que d'autres familles passent par cette terrible épreuve que nous vivons, dit-elle. Nous voulons que la société et nos leaders réalisent la nécessité de mesures qui prennent soin de nous. Nous sommes unis dans le souvenir de nos proches. Plus de 600 proches des victimes sont attendus jeudi dans les Alpes de Haute-Provence pour les cérémonies. Aucun représentant officiel ne devrait être présent lors de ces cérémonies, les familles ne souhaitant pas être filmées. Il y a un an, le pilote qui souffrait de troubles psychologiques s'était enfermé dans le cockpit pour précipiter l'Airbus A320 au sol.